Un jour, pourtant, un jour viendra couleur d'orange, un jour de palme, un jour de feuillages au front. Un jour d'épaules nues, où les gens s'aimeront, un jour comme un oiseau sur la plus haute branche. Et le plus simplement du monde, il y aura la jeunesse d'aimer, et les yeux des pervenches, des parfums plus profonds, et des aubes plus blanches. Et le tendre infini dont m'entourent tes bras. Ça s'est passé comme au cinéma. Ah oui, oui, oui. Ces messieurs sont entrés d'un seul coup d'épaule. Bon, on s'apprêtait à se mettre à table, Pauline et moi, parce qu'on dîne tôt en ce moment pour économiser un peu l'électricité. Mets-les à la porte, ou va être froid. Ça, c'est ce que m'a crié Pauline du fond de la cuisine. Eh ben, ces messieurs, ça les a bien fait rigoler. Neuf, ils étaient. Non, Pauline, non, ils étaient huit. Ah non, ils étaient neuf. Ah non, ils étaient huit. Excuse-moi, je les ai comptés, c'était neuf. On a dit qu'on faisait l'intermède. Oui, mais c'est pas une raison pour raconter n'importe quoi. Mais je raconte pas n'importe quoi, je les ai comptés. Mais si. Non, je te dis que ils étaient 8. Ils étaient 9. Bon, allez, de toute façon, allons-y. De toute façon, toujours. Tous les jours. Toujours de raison. Je sais compter, je sais pas. Je sais bien ce que... Enfin bon, allons-y. Tous les soirs, la même histoire. Qu'est-ce qu'il faut que je reprends. Ça s'est passé comme au cinéma, ces messieurs sont entrés d'un seul coup d'épaule, nous allions nous mettre à table, Pauline et moi, on dîne tôt pour économiser l'électricité. Mais elle est à la porte, où va être froid. Qu'elle m'a crié de la cuisine, ça les a bien fait rigoler. Neuf, ils étaient. Ils étaient au moins sept. Il n'est pas facile de te parler. Tu sembles oublier que nous vivons l'épilogue de notre vie, qu'ensuite il n'y aura plus rien à dire et que l'index lui-même, d'autres le liront, pas nous. Je te reproche de vivre depuis 35 ans comme si tu avais à courir pour éteindre un feu. Et dans ta course, il ne faut surtout pas te déranger, ni te devancer, ni t'emboîter le pas. Il ne faut surtout pas s'aviser de faire quoi que ce soit avec toi. Ensemble, consolons-nous avec ça. Elsa meurt le 16 juin 1970. Ne ferme pas les yeux. Je suis de ce côté de tes paupières. Je ne puis entrer dans la nuit où vont tes regards sans lumière. C'est où, sans moi? Sans moi, c'est où? Tu fais la route de toi-même, sans moi, parti, oubliant tout. Oubliant même que je t'aime. Rouvre-moi ces yeux adorés pour que j'y retrouve ma femme. Rouvre tes yeux démesurés à la mesure de mon âme.